Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, enfin l'épisode de la suite dessert. Et comme vous pouvez le constater, je suis en train de venir chercher du fumier. Bon, il n'y en a pas des masses. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé. Je vous souhaite encore, pour ceux qui n'avaient pas vu l'épisode, une bonne année 2023. Désolé. C'est vrai que j'étais pas terrible la dernière fois et j'ai pas beaucoup avancé au niveau de la partie. Donc on va... Ah, je suis coincé. Par contre, vous avez vu que je suis arrivé ici, bien sûr. Il a fallu que j'aie pas de masse pour le tracteur. Il péclotait un peu et j'ai repris mes fûts. Et je me rappelle plus comment on remplit ces fûts. C'est l'horreur. Je ne sais plus, pourtant on peut mettre de l'eau, je voulais mettre de l'eau pour faire du poids derrière, mais bon, c'est pas bien grave. Redites-moi dans les je crois que c'était sur la partie, on va refermer la griffe là, je vais la remettre ici, ça, hop, tac tac tac. Redites-moi, je crois que c'était sur la série Bella, ouais, sur la série italienne, que je ne savais pas comment remplir ces fûts. Les fûts, on va les laisser par là parce que je n'ai pas besoin. Je ne sais pas où, on va les mettre à côté ici. Hein. Côté. On va les mettre là. Hop. Non, ça c'est. Ah non, ça il faut faire comme ça. On va les en. En tout cas, voilà, j'ai commencé la semaine, ben oui, j'ai repris le travail. Au niveau, j'ai pas beaucoup pu avancer parce que, ben, comme vous le savez, hein, pour ceux qui ont suivi l'épisode du début des desserts, pas des desserts, hein, les amis, desserts, j'ai eu un problème avec ma maladie, voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai acheté la petite remorque là, qui va me servir aussi au niveau des cailloux, parce qu'il faudra bien aller commencer à vendre. Je pense que le prochain épisode on va faire un peu de vente, parce qu'il y a quand même du... Oh, tu cales. Voilà. J'ai cru qu'il m'allait me rendre l'âme sur la route, le tracteur. Non, donc nous on va se rediriger vers la ferme du bas, vu que là on était à l'alpage. Je pensais, voilà, en parlant que j'arrive pas à avancer, vous avez vu là, ben voilà, et vu que j'aime pas augmenter le temps, faire passer les nuits, j'aime pas trop ça, tout. De toute façon, j'avais déjà dans la tête, normalement c'était prévu pour le mois de mars, une autre série qui viendrait. Alors, une série peut-être qui, je sais pas encore, j'ai pas décidé, peut-être qui serait qu'un live. Qu'il n'y aurait pas d'épisode, on verra ça, ça. Du reste, il faut que je choisisse la map déjà. Alors, il y a deux choix, quoi. Il y a même trois choix de map. Je ne vais pas vous le dire, bien sûr. Ah, vous attendiez que je vous dise le nom de la map. Ben, y a une map là qui n'est pas allemande. Voilà, je vous dis juste ça. Mais que je trouve pas mal, pas mal du tout. Et je ne l'ai pas testé encore. Et il y a bien sûr une map allemande avec plein de fabriques qui est la Thuringen. Mais par contre, la V3 qui est sur le Modob, il n'y a pas toutes les fabriques. Parce que bien sûr, sur le Modob, vous savez qu'on ne peut pas tout avoir. Donc voilà. Donc il faudrait que j'aille sur la V2. Il faudrait que je teste s'il n'y a pas de bug avant de commencer là-dessus. Une troisième. Mais ça m'embête de commencer sur la version parce que vous savez que je suis... supporter sur le site de la Hofbermann et j'ai la dernière une des dernières versions, mais par contre j'ai vu des vidéos et je peux vous dire que la prochaine, ils ont inventé des trucs de dingue, je peux vous dire, hein, j'ai vu des vidéos, des trucs de dingue. Alors est-ce que je partirai là-dessus? Moi, ce qui me gêne un peu, c'est l'environnement des champs sur la Hofbermann. Trop rectangulaire, tout ça. Alors bon, bien sûr, vous allez me dire quoi, t'arrives déjà pas à sortir de vidéo pour la série La Ferme de l'Ours et tu veux lancer une autre série. Ben oui, parce que voilà, le problème qu'il y a, c'est que il faudrait que j'arrive à avancer
Et la semaine avec le travail, la fatigue, avec la maladie, tout ça, c'est un peu compliqué. Il faut que je tourne le week-end. Par contre, les amis, il faut qu'on aille dans les fabriques parce que je ne sais pas laquelle c'est qui prend le fumier, mais je crois que c'est les fleurs. Oui, c'est les fleurs. Donc les fleurs, sauf erreur, il y en a deux ici. On va essayer de partager, hein. Parce qu'il n'est pas égoïste, le papa valaisan, il n'est pas égoïste, on partage un petit peu. Hein. Un peu de chocolat là. Bon, celui-là, il a un goût, le chocolat. Il n'y a pas le petit crémeux dedans. Hein. Je peux vous dire. Celui-là, c'est du vrai du vrai. Voilà. Alors, on va mettre juste un petit peu. Oui. J'ai dit, on mettrait un petit peu de fumier. On peut? Pourtant, j'avais pas le truc. Ah, si. J'adore cette remorque. On peut la mettre en plateau. Bon, voilà, les ennuis commencent. Ou bien, est-ce qu'il y a déjà du feu? Non, j'ai pas rien mis. J'ai pas rêvé. J'avais le. Hein, vous avez bien vu que j'avais le. J'ai pas eu le temps d'appuyer sur la touche. Je vais essayer ici. Par contre, c'est serré de c'est serré, hein. Hop. Ah, mais c'est incroyable. Je me demande si elles n'ont pas un petit bug, ces serres, parce que j'ai fini de mettre de l'eau à toutes les serres et j'ai eu vraiment des problèmes pour trouver les triggers. Et là, je l'avais avant. Hop. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que t'as un sens côté décharment, porte à grains? D'accord. Et puis si je change. Oh, par contre, j'ai pas changé le. Attendez, on va juste faire un truc parce que faut que j'aille voir juste les touches pour changer le côté de décharment. Je crois bien que j'avais pas réglé ça. Où c'est changer le mode direction? C'est pas là, c'est pas là. Dis donc, aujourd'hui, j'ai dit je prépare tout. Et puis, je suis dans le caca. faire pivoter, barda, tatac, tac, tac, c'est pas là. Où c'est que t'as changé de côté, c'est lui. Ouais, je vais prendre le clavier parce que. Ah, mais. C'est quoi ce bordel? Pourquoi tu m'as déjà. Oh, est-ce que c'est la remorque qui a un petit bug? Et puis qui m'a. J'ai rien fait! Bon, le fumier, il est déchargé. Un peu partout, mais. Non, mais c'est pas croyable ça. Pourquoi il s'est déchargé là, le fumier? Bon, ce qu'on va faire. Je sais pas si ça vient des serres, mais. Alors, ici, vous avez vu qu'elles sont en route. Et bien sûr, j'ai été chercher. On va mettre la remorque là, je rangerai après. Oups. Hop, il y a le petit billon de bois. Je me demande si je vais pas aller chercher. Hop, on va recrocher ça. Et on va commencer à mettre. Alors, j'ai peut-être fait une bêtise de mettre la remorque là. Est-ce que j'arrive à manœuvrer? Normalement, oui. Hop, un peu de semence. Hop, on va enlever. Un peu de semence, on va prendre ce qui vient. Hop, oh, c'est compliqué. J'ai serré comme je sais pas quoi. Hop, voyez là, et il fait rien. Regardez, il pique pas du nez mon tracteur. Avec le godet, oh, ouais, léger, on va dire léger, mais autrement, il pique du nez avec le fumier. Pas avec le fumier, ouais, quand je voulais mettre le fumier. Alors, ça, c'est quoi? C'est du fertilisant, alors ça va là-bas. Hop. Là, ça fonctionne. Mais pourquoi il m'a déchargé ce fumier là? Ça n'a rien d'y comprendre, hein, les amis. Mais bon, c'est pas bien grave, on ira chercher le godet que j'ai là-bas. Ouais, attention. Un peu plus. Je me demande si. Est-ce que ces brouettes là, ils sont fonctionnels? C'est vrai que j'ai pas de brouette ici.
Ça aurait été sympa à la limite de prendre une boulette et hop, on va lui mettre un sac. Bon, bien sûr, ça a coûté cher, hein, les amis. Ça a coûté cher. Mais bon, vu qu'on va commencer à faire de la vente, ben. Non, on ne passe pas là. Oh, mais là, 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 là. Et puis moi, j'ai fait une bêtise de mettre sa tomorque ici. On va descendre avant que je pique trop du nez. Bon, j'aurais pu prendre à la limite le transpalette. Hop. Comme ça, mais bon. Bon, à la limite, je sais pas pourquoi on doit mettre du fertilisant. Alors, est-ce que c'est des serres qu'on peut mettre soit du fertilisant ou soit du fumier, comme ça coûte moins cher. Bon, là, c'est bon. Ce qu'on va faire, on va faire l'autre serre à côté. Et puis après, ben, on ira chercher le godet pour aller. Ben, il faut ramasser ce fumier, quoi. Hop. Bon, de toute façon, c'est pas perdu, hein, tous ces big bags. Parce que ben, il faudra bien semer aussi dans les champs, que je voudrais bien commencer. Mais pour l'instant, hop, tac. Pour l'instant, ben, le tournesol n'est pas encore prêt. C'est comme je dis, voilà pourquoi. Peut-être que je vais lancer une deuxième série. C'est vrai que j'ai déjà pas le temps de faire une, mais ça peut le faire. À voir. Dites-le-moi dans les commentaires. Il faut de toute façon, ça serait pas pour, ça serait peut-être pour la fin du mois, à moins que j'arrive avant de faire quoi que ce soit. Déjà de trouver la map. Il faut que je teste. Et puis, ouais, ça serait sympa comme ça le samedi ou le dimanche matin. Il y aurait un petit live. Et de temps en temps, bah, quand sur la série La Ferme de l'Ours, je dois avancer, eh ben, il y aurait toujours du contenu. Les amis, c'est ça qui m'importe le plus, que vous ayez du contenu au lieu qu'il n'y ait rien du tout. Et là, ça me permettrait ben, de préparer un peu plus les choses. Comme ça, il y aurait une série, et ben, je prépare quand on sait pas, je ne sais plus quoi faire dessus. Ben, c'est comme là, hein, à part préparer les serres, il y aurait de la vente à faire un peu. Je sais qu'en haut, à l'alpage, il y a 11 000 de blé. Il faudrait les remettre un peu pour la farine. J'ai dit qu'on prendrait les poules, bien sûr, aussi. Ça, il faudrait voir comment je vais faire. Alors, je crois qu'à l'alpage, il n'y a pas les poules, mais il y a ici. Et comme je l'ai dit, il me faut des œufs pour faire du gâteau. Alors, la farine, on a. Les œufs, on n'a pas. Et on a le lait. Donc, il faudrait commencer à faire ça, mais on verra. Dites-le-moi dans les commentaires. Alors, ne me demandez pas quelle map sur les trois j'ai choisi. Quoique je suis en train de voir la chose. Alors, une, oui, je vous ai dit, c'est la Hofbermann, mais ça m'embête de commencer parce que je sais pas, j'ai pas eu les renseignements quand c'est qu'elle va sortir vraiment cette version 2023, comme ils l'appellent. Mais je vous dire, il y a des trucs assez sympas. Alors, comme vous les connaissez, ils ont fait des choses vraiment interactives, qui est pas mal. Alors, j'ai une autre map qui a deux ou trois trucs interactifs. Et ce qui me plaît, c'est que ben, l'environnement me plaît. Et il faudrait voir les fabriques. Alors, bien sûr, la Thuringen, ça c'est fabuleux. Mais je dois aller sur la V2. Et il me semblait qu'il y avait deux ou trois bugs sur la V2. Je ne sais pas. Parce que bien sûr, la V3 n'a pas, hein, celle qui a sur le Modob. Il n'y a pas toutes ces grosses fabriques comme le yogourt à la fraise. Il y avait plein de trucs, hein, vu que je l'avais donné à Jérémy, que je salue, bien sûr, je salue toute la famille, family. J'avais donné à Jérémy pour qu'il l'atteste. Et ouais, il faut avoir, avoir. Alors, ça, c'est ici. Hop. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on va commencer après.
Hein, il faudra commencer à rembourser le crédit. Et puis, pas le tout de faire des fleurs pour Petra. Hein. Du reste, Petra, vous la retrouverez bientôt, les amis. Pour l'instant, j'ai trop de travail, j'ai pas le temps. Bon, on va aller chercher vite le godet pour. Ah, mais ça me pousse bien, mes tomates. Ah, ouais. Donc, il me reste. Je vais laisser ça ici parce que de toute façon, il va falloir que je. Hop. Que je le décharge la remorque là. Et bien sûr, j'ai aussi tous les terrains à les traiter en haut à l'alpage. Alors, normalement, j'ai un godet ici. Vous voyez qu'il y a encore sur la remorque, encore des big bags ici. Ah, je vous ai pas dit, le S8, j'avais été faire le plein et il commence vraiment à être en panne. Bon, c'est un gros godet que j'ai là, mais ça va bien. Bon, j'espère que il va pas m'embêter avec le poids. Voilà. Le S8, pour la prochaine saison, quoi, pas pour la prochaine saison, mais pour les prochains labours, puis semis, il va falloir que je le répare. Mais par contre, ça coûte bonbon. Il y a pour passer 10 000 euros de réparation, et ça m'embête un peu, les amis. Bon. On va aller récupérer ce fumier, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est la remorque qui a bugué. Ou la serre. Hop. Bon, normalement j'espère. Ouais, j'ai eu peur, je me suis dit, il va. Ah! Ah ben c'est bien ce que je pensais. Alors est-ce que j'arrive à vider là? Hop. Hop, on va garder un peu pour l'autre. Bon, ben, la prochaine fois, je mettrai au godet. Faut vraiment que je lui achète un petit poids pour travailler ici parce que je l'adore ce deut. Bon, est-ce que je peux lever et puis vider? Voilà. Voilà, les amis. Normalement. C'est tout alimenté. Il reste plus qu'à les mettre en route. On va mettre le tracteur ici. C'est le bordel ici. Il y a des remorques partout. On va descendre ça. Hop. Tac. On va les mettre en route, les amis. Bon, il faut rentrer là-bas. Est-ce que c'est fonctionnel cette. Non, c'est de la déco. Attention, on va pas se prendre là. Hop. Tac, les fluffers. Alors regardez, on a de l'eau, on a des sens, nanana, et on va l'activer. Et puis, il faut faire des alvaces, des pâquerettes, des marguerites, des jacinthes, des. Ou alors ça, échinacées et des hémérocalles. Putain. Changer le mode de production. Bah, on est tout en stock, donc ça, c'est tout bon. Donc, celle-là, bah, regardez, c'est joli, hein. Oh, pour Petra, il y a géranium. Elle va être contente comme ça. Allez, on va aller mettre en route la deuxième. Tac. Oups. Je suis sur la. Hop. Tac. Activé. On est. Ah, on a peut-être un peu moins de fumier. Mais bon, c'est pas grave. Parce que autrement, si on alimente trop après, ben, on n'a plus besoin de rien faire. Oups. On ferme ça. Celle-là, elle est en route. Celle-là, elle est en route. Il y a. Ici qu'il faut mettre en route, en route, en route, en route, pas en route, hein, en route. Hop, donc ça activé, c'est de la tomate. Normalement, il fait tout là, non? Bah normalement, ouais. C'est tout en stockage. Mais il me fait que de la tomate ou bien? Oh, peut-être, je me rappelle plus comment. Ça fait un moment que j'ai pas refait les serres, mais là j'ai l'impression qu'il me fait de la tomate ici. Mais moi je veux pas de la tomate ici. Moi je veux de la fraise et de la salade. Comment on change? On peut pas changer? La laitue, les fraises. Et là, ça fait. Mais comment ça se fait que ça fait la laitue? Ah, ben ça fonctionne. Normalement. Activé.
Il faut tout activer. Le chou rouge. Tac. Là, on va activer aussi ça. Oh, c'est activé. Ça. Activé. Ça. Activé. Ça. Activé. Ça. Activé. Et puis, est-ce que là. Ah, bah oui. Donc, en somme, on active d'après ce qu'on veut. Ok, bon, bah, on va tout activer et puis on verra bien ça quoi faire de tout, normalement. Il a commencé. Ah, bah oui, c'est mélangé comme ça. Il y a un petit peu de fleurs, un petit peu de choux pour faire la choucroute. Oh, bah non, pas celui-là, parce que c'est du rouge. Bah, ils sont pas mal, ces serres. C'est ni trop gros ni trop petit. Donc là, ça a changé. Et puis là-bas, c'est tout bon. Bah écoutez, c'est magnifique, les amis. C'est magnifique. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais reprendre mon tcheu-tcheu. Et. Ah ben, bravo. Bravo, comment je vais prendre. Je vais mettre ce. Non, parce que. Je vais le mettre là-bas, vers les pierres. J'ai fait un tas à l'entrée. Et puis, il faut que je décharge ça de mon côté. Mettre dans le hangar. Et puis, on ira voir juste. Vous voyez, il y a de la pierre là. Il y a de la pierre. Oh, pas du diamant, hein, parce que. Pas dire à Pectra que j'ai de la pierre ici, parce que autrement, elle va croire qu'il y a du diamant. Alors, on va aller remettre ça là-bas. La pierre, là, on ira la vendre à la carrière. Je pense que le prochain épisode, on fera. Ouais, ce qui m'embête, c'est que dans un épisode, bah, quand on fait de la vente comme ça, c'est beaucoup de trajet. Mais bon, il faut bien le faire. Et puis voilà. Donc, je vais juste recrocher ça. Voilà. Hop, faire comme ça. On va se mettre comme ça ici. Hop, couper le moteur et on va aller juste voir un truc, les amis. C'est les balles d'ensilage, où elles en sont. Parce que ça serait pas mal de vendre. Et puis, alors bien sûr, on m'avait dit de prendre au moins une quinzaine de vaches. On verra ça. Pour l'instant, ben, j'ai pas beaucoup de sous-sous. Faut peut-être que je mette ça. Ah ouais, là, c'est pas terrible. Hein. C'est 2% pour le moment. Et puis, au niveau de mes babales qu'il y a là, on en est où? Ah, on est à la moitié. Bon, ben, voilà. Voilà, les amis. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a mis en route les serres. Alors j'espère que ça produira assez rapidement. Par contre, il faudra pour. Parce que si on regarde vite, vite, mais alors vite fait. Au niveau vente. Alors les fraises, normalement, je vais les prendre. Mais la tomate. Donc ça, il y a quand même pas mal de. Vous voyez? Ah ben bien sûr, pour la pizzeria, les fraises. Ben on peut vendre ou bien. Pas le chocolat. Ce que je voulais voir. Des cadres photos. Voilà, c'est ça. Vous voyez, j'ai aucun plan de vente pour ça. Donc, il faut le chou. Eucalyptus, cyprès, bonsaï. Ah, mais ça, c'est des autres serres que j'ai, je crois. Ouais. Je ne l'ai pas placé à l'aloe vera. On verra si on en place ça. Mais les fleurs, ben, il faut que je place le point de vente. Alors, on verra. On verra lequel. Je voulais aussi à l'alpage mettre pour le lait, les œufs. C'est un peu le même cabanon que Jérémy. Hein. Du reste, c'est le même, je crois. Mais on verra ça, tout ça, les amis. On va se retrouver demain. On est mercredi. Peut-être jeudi ou vendredi soir, je ne sais pas encore. Et il y aura peut-être un peu plus d'informations au sujet de cette série. Dites-le-moi si c'est pas mal. Je vais tester de mon côté en attendant de tourner le prochain épisode pour la vente sur la ferme de l'ours. Moi, je vais vous dire une bonne semaine à vous.
Et puis, bah, mettez le pouce bleu, hein, n'oubliez pas ça. Pas dans le cul, parce que ça fait mal. Mais je vous dis à très vite, les amis. Et puis, bah, tout bon, comme je dis d'habitude. Bye bye.